Bonjour mes courantes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Tatin, taquet, taquet. Bon, en vrai, au taquet, on est mercredi. Il est extrêmement tôt, on a dû se lever tôt parce que Mathis a son brevet, son oral de brevet. Donc du coup, c'était un peu le stress, surtout pour lui, mais beaucoup pour les parents. Voilà, je crois qu'en vrai, on stresse plus que lui. Et de mon côté, du coup, Loulou est à la maison, on est mercredi. On va aller en ville, là je dois refaire ses petits ongles. Et de toute façon, vous allez suivre cette journée avec nous. C'est le but de cette vidéo parce que nous allons faire un 24 heures avec nous. Bon, du coup, qui dit 24 heures dit suivre nos rituels avec nous. Et premier rituel du matin, c'est le petit OOTD d'Instagram. Je me suis pas encore maquillée. Je sais même pas si je vais me maquiller en vrai aujourd'hui. On installe le téléphone. Vous allez voir que sans musique, de suite, c'est pas le même délire. J'ai un look aujourd'hui. Ça va être l'OOTD le plus beau de mon Instagram. Je me rends compte que sans musique, c'est pas le même délire. J'en profite tant pour encore sauter. J'ai dansé 15 secondes. J'ai plus de souffle. Petite story matinale dans la poche. Il va falloir que je fasse mon petit montage après. On va enregistrer tout ça. On n'a pas fait le point, notre rituel de point bidou. Oh, il pousse, hein. C'est drôle parce que dans chaque vidéo de chaque semaine, vous allez voir du coup l'évolution de ce ventre. Voilà, en tout cas, ça pousse doucement, tout se passe bien. Je vais pas vous mentir, je passe par des périodes où j'angoisse pour tout et pour rien. Voilà, je suis dans une position peu confortable, on va terminer cette préparation. Vous allez découvrir les rushs de nos 24 heures. Loïc vient de m'appeler, j'allais partir. Sauf qu'il faut que j'envoie très rapidement des photos HD et le logo HD. Parce qu'on travaille sur un énorme projet avec Kenwood et apparemment, faut envoyer ça tout de suite. C'est toujours comme ça. Quand il faut envoyer quelque chose, c'est immédiatement. Donc du coup, je me pose dessus, je vais en 2-2 faire un WeTransfer et sélectionner très rapidement des photos qui sont censées être très importantes. Mais écoutez, c'est comme ça. Ceci dit, je suis pas maquillée, j'ai pas fini de me préparer et j'ai rendez-vous dans 20 minutes. C'est n'importe quoi. Voilà, Loulou, t'es prête, toi? Ouais. Ouais, ok, on va dire qu'elle est prête. Bon, le WeTransfer, c'est fait. On va essayer d'arranger un peu ça et on enchaîne. Bon, je me suis maquillée en 2 secondes chrono dans la salle de bain, donc je sais absolument pas ce que ça rend à la lumière du jour. On est censé partir et Louane regarde des TikTok et boit de l'eau. Je vais être à la bourre à mon rendez-vous. Comment vous voulez être à l'heure quand vous avez des gosses? C'est impossible. Dites-moi les parents qui me regardent comment vous faites. On part à peine de la maison. On est clairement à la bourre. Loïc vient de m'appeler. En fait, il avait géré son rendez-vous de ce matin. Ce qu'il devait pile poil dans le créneau, déposer Mathis, aller à son rendez-vous, récupérer Mathis. Sauf qu'il vient de m'appeler et il s'est gouré dans son rendez-vous. Il a rendez-vous dans une heure. Donc, toute notre organisation tombe à l'eau. Donc, du coup, on a dû appeler son père qui va récupérer Mathis, qui remonte Mathis. Loïc va à son rendez-vous, je vais récupérer Loïc. Bon, bref, c'est un bordel sans nom et je vais être en retard pour mes ongles. Allez, Loulou! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? On n'y arrivera jamais! Tu me fatigues! Moi je fais pas mes ongles, hein, je suis pas pressée. Hein. Oui, mais moi j'ai mes ongles. Bah, je sais, justement. Elle est sérieuse. Bon, écoutez, on a eu de la chance, on a trouvé une place, on va même arriver à l'heure. Je vous retrouve juste après. Là, il y en a besoin quand même. À la base, c'était Lila. En fait, il y en a beaucoup besoin. Il y en a beaucoup besoin. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle, aujourd'hui? A few moments later. Donc, du coup, Loïc a fini son rendez-vous finalement avant moi. Donc, il est venu récupérer Louane, il est monté au e-commerce. Je vais vous montrer quand même ses petits ongles. Et franchement, ils sont canons. En fait, on a fait un baby boomer sur une base beige rosé et sur un dégradé corail. Et on a fait des pieds. Magnifique. Salut, je vais chez ma pote Alex de chez Manails. Franchement, si vous êtes de Menton ou du coin, allez-y, les yeux fermés, je vous mets son Instagram. Et on continue cette journée à 200 à l'heure. Arrivé au local, au e-commerce, on est réunis. C'est ici qu'on a tout ce que vous commandez sur notre boutique, tous les goodies, tous les vêtements. Là derrière moi, c'est les t-shirts. C'est ici que je dédicace aussi les livres, les agendas, ce que tu les posters. Bref, la totale. Et là, c'est ce que tu m'as préparé, c'est ça. Apparemment, Loïc m'a préparé une pile. Non, Nico m'a préparé une pile de livres à dédicacer. Ton beau tes ongles. Merci. Moi, c'est chou, ça change. Regarde, ouais. Pieds et mains. Bon, regardez la pile qu'ils m'ont préparée. Et encore, ça va. Parce que je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai dédicacé en agenda. Ah mais attends, il y en a beaucoup qui sont partis, hein. Parce que là c'était tout plein. Et là il nous... tout ça c'est déjà signé et emballé. Allez, vas-y, arrête de parler, maintenant on bosse là. C'est juste que je trouve les stylos et je suis exploité, les gars, je vous jure, c'est de l'exploitation. Est-ce que du coup t'as fait un point sur ton look de ce matin ou Bah oui, j'ai même fait mon OOTD Instagram que j'ai pas eu le temps de monter encore. D'accord. Mais bébé, là si tu signes à 7 à l'heure, on a pas près de manger, je te le dis. Bébé, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Bon, les livres sont signés. Je pense que le ventre là appelle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas boire d'alcool, c'est maman qui se met à boire lui. Mais non, mais j'ai eu un cadeau pour mon anniversaire. Ouais. Juste pour dire que c'était son anniversaire. C'est fini, c'est plus ton anniversaire, c'était le 7. Mais voilà. Normalement, on a une semaine pour le faire. Donc j'allais dire un truc, c'est que je meurs de faim. Donc on va aller manger. Et en plus, maintenant, on peut aller manger dehors, donc on va aller manger dehors. Ça te chauffe? Ouais. Louane! Oh putain! On y va! Alors, ça, c'est typiquement sudiste.
On attend l'été depuis des semaines, on se dit oh, il fait trop moche et tout, et maintenant qu'il fait chaud, on râle parce qu'il fait chaud. Bon, on a passé commande et faut vous dire que bon, on vient très souvent ici et c'est vrai qu'on est habitué à ce que je mange pas beaucoup. Et là, j'ai passé une commande, c'est n'importe quoi. Et pendant qu'on attend la commande, je vais quand même vous faire quelques plans près du port parce que c'est trop beau. C'est ouf comme j'aime ma ville en fait, parce que je suis née ici, j'ai grandi ici. Et souvent on me dit mais t'as pas envie genre de partir, de découvrir d'autres choses. Alors oui, en voyage, mais je me verrais pas vivre ailleurs. On est trop bien. Franchement, comment on peut pas être bien? Et ça, c'est une balade qu'on fait toute l'année avec les gosses, que ce soit l'hiver, le printemps, l'automne, l'été, bref, toute l'année, tu l'as compris. Et c'est trop, trop agréable. D'ailleurs, je m'éloigne fortement du restaurant. Là, on est d'accord, je fais n'importe quoi. Je fais la propagande de ma ville. On est à la frontière italienne. Et on est à 5 minutes hein, de l'Italie, de Ventimiglia. On est à 30 minutes de San Remo. Et on a le beau temps toute l'année. Bon, alors pour le cocktail, j'ai suivi les conseils d'Alex qui m'a fait les ongles. Parce que la couleur que j'ai sur mes pieds s'appelle, alors attends que je me trompe pas, Jambalaya. Et elle a appelé ce vernis de cette couleur grâce à ce cocktail que propose Mehdi. Sans alcool, bien sûr. On va goûter. C'est bon. Dedans, il y a cranberry, fruit de la passion, goyave, sirop de fraise et citron vert. Non, framboise. Oh là là, mais en fait, c'est ça que j'aime ici. Mm. C'est parce que je peux boire des cocktails sans alcool, mais très bon. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des sans alcool. Mm. Du coup, on est sur le nouveau port de Menton. En fait, ils ont refait pas mal de choses. Il y a plein de nouveaux restos. Et là, on est au ML Lounge chez Mehdi. C'est un peu ombragé, il a mis des grands parasols et tout. Ce, on va déguster notre cocktail. Donc, quand je vous dis que j'ai craqué, voilà les petits sticks mozzarella et chèvre. Et c'est de la bombe atomique. Bon, je me suis lâchée sur les sticks, mais j'ai été raisonnable pour le plat. Petite salade gaka, comme elle est belle. C'est mon plat coup de cœur quand je viens ici. Ouh, Ninou, il y a tes brochettes, tiens. Voilà. Bon, écoutez, on a le ventre plein. Et une fois que t'as le ventre plein, c'est clairement l'heure de la sieste. Là, on va se prendre 5 minutes de off, hein, Ninou. La bébé, si on s'allonge, on est mal. Mal. Ah voilà, si je m'allonge, je dors. Bon, je me secoue parce que si je m'endors maintenant, en vrai, je vais avoir la migraine de fou. Donc je vais essayer de m'activer pour pas dormir. Ninou, tu pars en sieste, toi? Franchement, je vais... Il est hésitant. J'ai reçu des petits maillots de bain que j'ai commandés sur le net. Alors, c'est pas en partenariat, hein, mais je me suis dit pourquoi pas tester les maillots de bain avec vous. C'est la marque Cupshi. Et en vrai, j'en ai déjà. Oula, ça y est, Rio débarque. Et en vrai, j'en ai déjà eu là il y a quelques mois. Et je les trouve géniaux. Ils sont hyper confort, même en étant enceinte. Le seul truc, c'est que j'ai pris un peu des nichons. Et du coup, ils ne me vont plus pour cette année. Donc, j'ai fait une deuxième commande. Je vais essayer ça. On va voir ce que ça rend. Et lui, en plus, il est cool parce qu'il est réversible. On peut faire une face fleurie ou alors choisir l'imprimé marin. Voilà, moi j'ai eu 3 maillots, on va essayer ça. Bon, alors premier maillot, vous voyez avec mon... Oh, mon bidou bébé, il a grossi. C'est un petit ballon de foot. De face encore, ça va. Mais là, de profil. Donc franchement, je suis trop contente, il est hyper confort. Et j'ai grave de la marche, c'est hyper élastique. Donc en tout cas, ce modèle-ci est validé. Je vais le retourner pour voir ce que ça rend en marin. Ninou préfère presque avec l'imprimé marin. Moi j'adore. Bidou, bidou, bidou. Et on n'est pas sur des maillots qui sont chers, je crois que c'est en moyenne 25-30 euros le maillot. Donc marin ou fleuri, c'est validé, on passe au modèle suivant. Nouveau modèle un peu plus coloré, on est sur un haut flashy orange. La petite culotte, elle est juste absolument canon avec un petit effet de transparence là. Il est mignon, je préfère le premier, mais ce modèle-là est pas mal. Modèle numéro 2, c'est validé. On passe au prochain. On est sur un modèle beaucoup plus classique, beaucoup plus sobre, on va dire, mais j'adore comme il est coupé parce qu'il fait clairement ressortir les formes. Vu qu'il est taille haute, il fait ressortir les hanches là. Je pense que c'est mon maillot préféré. Non, franchement, il est trop canon. Putain, ça sent l'été, ça sent les vacances, mais non, c'est pas les vacances. Voilà, bah écoutez, on a fini cet essai de maillot de bain et on va continuer cette journée. Je suis en train un peu de traîner sur Instagram, je suis en train de regarder vos stories puisqu'il y a les premières commandes qui arrivent et franchement, vos stories, elles sont trop mignonnes. Je vois vos colis ouverts avec nos produits, ça fait juste trop plaisir. En fait, c'est là que ça devient vraiment concret. Quand on vous voit porter nos tenues, notre collection et tout, on se dit putain, ça y est, on l'a fait quoi. Et vos retours, ils sont juste ouf, ça fait trop plaisir. Et j'en profite d'être sur mon tel ce matin, on a filmé ensemble mon Nono TD Outfit of the Day. Et je vais faire mon petit montage pour mettre ça en ligne sur mon Insta. Donc pour faire ça, j'ai une appli qui s'appelle Spliss, que j'utilise en fait pour tous mes montages vidéo que je dois faire du téléphone pour mes stories, mes réels, mes IGTV, tout ça. Je vous montre quand il est terminé. Bon là, c'est sans son, hein, mais il faut imaginer que sur Instagram, je vous mets quand même des petites musiques. Le petit OOTD du jour. C'est magnifique, ma plus belle tenue de la semaine. Oh my god, let's go. Voilà, je vais mettre ça en ligne sur Insta. Juste avant de partir au live, en fait, j'avais acheté ces chaussures il y a 2-3 ans et j'en suis juste amoureuse, mais elles sont absolument mortes. Il y a le bois qui part là derrière. Il y a ces taches qui partent plus. On a tout essayé, toutes les techniques de grand-mère, d'arrière-grand-mère. C'est un vrai crève-cœur, mais la bonne nouvelle, c'est que je suis allée dans la rue piétonne à Banana Moon, et mais comme ça, par hasard, je suis retombée sur
ce modèle. Alors il est pas identique parce que là c'est de la toile avec des petits points. Là on est plus sur un effet un peu cuir, mais en vrai la forme est la même. J'aime pas ces lacets pailletés là. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est enlever les lacets pour mettre les lacets de mes anciennes chaussures. Comme ça je vais presque retrouver mes chaussures coup de cœur. Ouais, en fait ça fait 3 ans que je les ai, mais je les aime trop. Et à chaque fois que je les mets, tout le monde me dit oh putain tes chaussures elles sont canon et tout. Donc on va essayer de modifier ça. Alors, est-ce qu'il y a une technique pour faire ça vite? Je ne sais pas. Ah ouais, non mais clairement ça va être canon. Voilà, porté, j'ai récupéré mes lacets dorés. Vous avez l'été bronzé là. Oh là là, je suis trop contente. Ciao. Donc du coup, comme tous les mercredis, on a notre petit live Twitch. J'attends qu'on passe le chemin et je vais reprendre cette phrase. Le chemin de chez nous est fort agréable. Oh. Putain, qu'est-ce que j'ai. Je supporte plus cette route. Ah, j'ai chaud. Bon, je disais, comme tous les mercredis, live Twitch à 17h. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez venir nous rejoindre sur notre chaîne Twitch, c'est gratuit. On vous propose des lives dans lesquels on papote, on fait des trucs drôles, on pâtisse ensemble. Donc voilà, c'est des bons moments. Moi, je kiffe faire ces lives. Bon, nous sommes arrivés à bon port, n'est-ce pas? Aujourd'hui on fait le live sur fond vert. Vu que c'est que de la réaction, bah on va être assis, peinard, tranquillou. Mais en vrai, la meilleure place, mais oui, mais c'est Yo là, il est là, assis. Oh, oh bébé. Mais il est trop bien. Mais comme il est trop bien. Bon voilà. Donc voilà, aujourd'hui pour le live, on a Johan qui va gérer, donc comme d'hab, en fait, tout ce qui est régie de ce live. Et on a Jess qui gère la modération. Et il y a aussi Poupoucou qui nous aide via à distance sur la modération. Donc voilà notre équipe du soir. Et on a aussi ma petite Loulou qui est là et qui supervise de loin si tout va bien. T'es trop légère, ça baisse pas. Moi, ce que j'aime quand on vient là. Mais comment tu veux faire le régime? Regarde, il y a des tiramisu. Et là, Sunday. Petit écouteur, mon minou. À l'avance, il n'y a que la musique. Oui, oui, non, mais pour après. 3, 2, 1. Bonjour les twittos. Non, bonjour à tous, bonjour les gourmandises. On espère que vous allez bien. Le train TER en direction du live des Ninous va entrer en gare voie A. Éloignez-vous de la bordure du quai. Merci. Mais c'est trop génial, je vais couper ma caméra parce qu'on est en train de tourner un 24h pour YouTube en même temps. Bon, il est 19h, on vient de finir à peine ce live et maintenant c'est la course de qui va faire pipi en premier. Allez. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé faire pipi pendant le live? Franchement, je suis éclatée, je crois que ça se voit, mais la journée n'est pas finie. On fait une course avec mon frère parce qu'à chaque fois il nous fait chier. Ninou est court. Ils sont là. Ils sont là. Mais non. On va les avoir. Ouais, voilà. Il a gagné. Regardez-moi ça, le rituel du retour à la maison. J'arrive plus à le lâcher. Il m'accroche. Ouais, mais vous voyez comme il a grandi, Rio. Alors Loulou, elle lui a confectionné un panier à base d'un carton et depuis il dort plus que là-dedans. Et Loulou, t'as mis Nathalie à la main, tiens. Non, en vrai, Loulou, elle a un bobo au pouce, ses débuts de poignet, voilà. Et ça traîne depuis je sais pas combien de temps et de temps en temps, petit appel. Tu vois, t'as le bon et le mauvais barbecueur. On va tester du végétal. C'est pas de la viande et regardez, mais ça sent la saucisse, c'est ouf. C'est vrai que ça sent, c'est incroyable. On n'est jamais fatigué en fait. Ou alors on n'a jamais le droit d'être fatigué. Quand on rentre à la maison après le travail, il y a les enfants. Et il y a des ventres à nourrir surtout. Mais trop bien, barbecue en famille là. Hein mon Ninou? Mais grave, seul truc, on n'a pas de pain. Bah un barbecue sans pain. C'est bon? C'est bon de ouf. Bébé, c'est ouf. Non mais ça a le goût du poulet. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Bon appétit. On peut dire que c'est une fin de journée et une fin de vidéo. On espère que ça vous a plu de passer ces 24 heures avec nous. Un 24 heures, on va pas se mentir, à fond. On a couru du matin au soir, mais c'était une bonne journée, un bon live et des beaux ongles. Si on peut résumer la journée comme ça. Et écoutez, on vous donne rendez-vous dès mardi à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, on vous fait une avalanche de gros bisous d'amour et nous on va faire un gros dodo. On vous aime.